nigga shit since Evie. Same things, nigga stopped but never froze me. Mad on me, so it's forever gonna stay on me. Bounce back, that's some shit I've been clutched at. Play back, cause my cutie said it's on payback. Street made, and it's like a mat, they ain't like that. Built like this, that's some shit we can never diss. Forever in my favorite beats up, like we stand on it. Been alone, nigga, so when I die, it's on V-Loan. I'ma hit the dash hella quick, get that reload. Fuck a drive by, I'm walking in, get this B-roll. Get this B-roll. 95 step and bellow. Inside, I'd rather talk shit with the clips and when it's dirty. Now you ain't the boss of the clip, keep it 30. Like you're really trying to stay in the mix. I'm the man of my city, you admit that been signed. I'd rather talk shit with the clips and when it's dirty. Now you ain't the boss of the clip, keep it 30. Like you're really trying to stay in the mix. I'm the man of my city, you admit that. No face, no case, leave nothing behind. Leave nothing behind. You ain't even touching the grind. No face, no case. Leave nothing behind. You ain't even touching the grind. No face, no case. Leave nothing behind. You ain't even touching the grind. Et salut et bienvenue les gars, on se retrouve encore pour un essai complet. Cette fois-ci, un essai complet que j'affectionne particulièrement parce que c'est une voiture que j'avais hâte de tester. C'est la Obey Tailgater S. Alors la Obey Tailgater S, on est sur un modèle d'inspiration d'une Audi RS3 berline, le modèle de la RS3 qui est sorti en 2017, pas la dernière sortie actuellement à l'heure où je fais la vidéo, puisque là Audi vient à peine d'officialiser, enfin de sortir la nouvelle RS3 berline. Et qui est magnifique d'ailleurs. Mais là, on est sur la version de 2017. Donc, c'est une RS3 berline, le modèle d'inspiration, comme je vous disais. Clairement, c'est ça. Après, on a la S3 berline aussi, qui est assez ressemblante. Mais là, on sent qu'Audi, rien que sur la forme des échappements à l'arrière, que Rockstar a voulu s'inspirer de la RS3. Alors, cette voiture s'appelle la Tailgater S. Dans le jeu, on a déjà une Obey Tailgater, c'est la voiture de Michael dans le mode histoire, qui est inspirée de l'Audi A6. Donc là, ils ont repris le même nom en rajoutant un S à la fin. Oui, c'est un peu bizarre. Ils auraient pu inventer un nouveau nom puisque ce n'est pas vraiment la même gamme. L'une est inspirée de la A6 et l'autre inspirée de la A3. Mais enfin, c'est Rockstar et on a l'habitude. On a aussi une autre Obey qui est sortie récemment dans un DLC sur GTA Online. C'est la 8F Drafter. Donc ça fait deux Obey récentes dans le jeu. Et ça fait plaisir. C'est des voitures qu'on aime avoir dans GTA. Ça change un peu des muscle cars et des voitures américaines. Pour nous, on est content. Pour nous, en Europe. Après on avait aussi la Obey inspirée de la R8, donc on commence à avoir pas mal de modèles dans la gamme Obey et ça fait plaisir. Donc voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. N'oubliez pas que vous avez les chapitres, toujours pareil, je vous le dis, je sais que je me répète à chaque vidéo pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, mais pour les nouveaux, j'aime bien le répéter, vous avez les chapitres en dessous dans la description de la vidéo. Donc si vous n'avez pas envie de vous taper chaque partie, la customisation, l'essai circuit, l'essai vitesse max et le top 10 à la fin où on parle des performances, vous allez sur les chapitres et vous regardez ce que vous voulez. Pour nous, on se retrouve à la fin de la vidéo pour parler performances et les classements par catégorie. A tout à l'heure et bonne vidéo. I'd rather talk shit with the clips and when it's dirty. No, you ain't the boss of the clip. Keep it 30 like an OG trying to stay in the mix. Bitch, I walk. Don't call me little busy, you should call.
touching me. I've been signing, I'd rather talk shit with the clips your hands dirty. Now you ain't the boss of the clique, keep it 30 like an OG trying to stay in the mix. I'm the man in my city, you a myth, I've been signing. I'd rather talk shit with the clips your hands dirty. Now you ain't the boss of the clique, keep it 30 like an OG trying to stay in the mix. I'm the man in my city, you a myth, I. That talk your talk, bitch nigga, you better get the walking gang in here. Nigga, better watch how you fucking talk and diss me. That's some shit you should've thought about, smoke me. I'm fade or gone off some GSR, bend me. Realest nigga shit since EV. Seen things, nigga stop but never froze me. Man of me, so it's forever gonna stay on me. Bounce back, that's some shit I've been clutched at. Play back, cause my cutie said it's on payback. Street made, and it's like a mat, they ain't like that. I'm like this, that's some shit we can't never diss. Forever in my favorite beats up, like we stand on it. Been alone, nigga, so when I die, it's on V-Lone. I'ma hit the dash hella quick, get that reload. Fuck a drive by, I'm walking in, get this B-roll. Get this B-roll. 95 step and bellow bridging, that's what we on. I've been signing, I'd rather talk shit with the clips your hands dirty. Now you ain't the boss of the clique, keep it 30 like your OG trying to stay in the mix. I'm the man of my city, you a myth, I've been signing. I'd rather talk shit with the clips your hands dirty. Now you ain't the boss of the clique, keep it 30 like your OG trying to stay in the mix. Leave nothing behind. You ain't even touching the grind. No face, no case. Leave nothing behind. You ain't even touching the grind. No face, no case. Leave nothing behind. You ain't even touching the grind. No face, no case. Leave nothing behind. You ain't even touching the grind. We out here gangbanging like it's 91. You feel me? About to become King LD. Yeah. Old school OG, new wave, big dog, sneaky motherfucking king of the castle OG. That's who you looking at. Motherfucking shit, man. We about to peel his bitch ass for it. He's a bitch. Thank you.
And we gon' spin his beak so fast, he won't even know what hit him. You feel me? You know my boy Benny? That's my boy Benny, man. He does the best work. Benny, what's happening, pimp? You know I'm talking about that Los Santos classic shit, man. Cause I'm just like that. Et voilà, on se retrouve donc sur les tableaux top 10 par catégorie. Donc, on voit dans sa propre catégorie, qui est la catégorie berline, cette voiture, pour une fois, a vraiment sa place dans la catégorie berline. Et ça fait plaisir de la voir en catégorie berline et pas en sportive, par exemple. Comme Rockstar fait à chaque fois de mettre toutes les voitures qui sortent dans la catégorie sportive. Là, c'est vraiment une berline et ça fait plaisir de la voir dans la catégorie berline. Donc, ça sera mon deuxième essai berline en peu de temps, puisque j'ai fait la Warrener HKR il n'y a pas longtemps, voiture qui n'a rien à faire en catégorie berline d'ailleurs. Enfin bref, donc on voit que cette Obey Tailgater S a une très bonne place, malgré que j'en ai pas essayé beaucoup. On voit qu'elle se positionne pas loin de la Shafter V12. Et ça fait plaisir parce que je pense que si j'essaye d'autres berlines, je pense qu'elle restera quand même deuxième en niveau de performance. On voit qu'elle est pas loin du tout de la Shafter V12. On passe sur le tableau top 10.
de la catégorie tuning. Alors sur la catégorie tuning, on voit que on rentre dans le top 10. Déjà, c'est bien. Donc on sort la Vapid Dominator GTT du top 10 et on se positionne 9e. Alors, on se positionne 9e, pourquoi? C'est une voiture à son volant. J'ai eu un ressenti, franchement, un très bon ressenti. C'est une voiture coup de cœur pour moi, au niveau du comportement. Alors, c'est une propulsion. C'est une propulsion. Donc, on a la maniabilité de la propulsion. Et en même temps, elle a une accroche exceptionnelle. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais décrocher. Donc, on a les avantages de la 4 roues avec les avantages de la propulsion. Donc, c'est une voiture qui est vraiment exceptionnellement agréable à gérer. Donc, c'est une voiture que j'adore. Après, elle a deux points faibles. Ça va être son freinage qui est un peu perfectible, mais encore ça passe, c'est pas le pire. Mais le pire, c'est sa VMAX. Voilà, c'est vraiment son gros défaut, la VMAX. Si elle n'avait pas la VMAX, je pense que ça serait une voiture qui aurait été directement en concurrence avec le top 3 dans la catégorie tuning. Malheureusement, la VMAX la pénalise beaucoup et encore plus sur mon circuit, ce qui fait que là, on se retrouve 9e. Mais bon, on rentre quand même dans le top 10 et ça fait du bien parce que ça fait plusieurs essais que j'avais des voitures qui étaient en dehors du top 10. Donc là, une voiture qui rentre dans le top 10 tuning, qui est très bien positionnée dans sa propre catégorie berline. Une voiture que je vous recommande fortement et une voiture pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà les gars, merci d'avoir regardé cet essai vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.